Salut, ici SDPIC, j'espère que vous allez bien, moi ça va super. Je vous propose en VOD la rediffusion des lives RPG Maker qui viennent juste après. C'était le deuxième live que j'ai fait sur RPG Maker et beaucoup de monde m'a demandé de le mettre en rediff. Donc le voilà, malheureusement il manque la première partie, il manque pas énormément de choses, mais quand même. Si ça vous intéresse plus, dites-le-moi dans les commentaires et surtout checker dans sur la GRTV pour les lives RPG Maker et sinon si ça vous plaît, je mettrai les autres diffs sur YouTube. Donc voilà, enjoy et à la prochaine. C'était As2, ciao. Normalement, il était lancé. Donc normalement, je dois avoir la première partie quand même. Je suis pas sûr. Bah écoutez, on verra, hein. On verra. Je suis désolé en tout cas si on ne l'a pas. Bref, on est de retour toujours sur RPG Maker VX pour la suite. Donc c'est parti, c'est reparti. Donc où est-ce que nous en étions? On venait de faire donc le déplacement de ce garde-là vers le haut. Donc là, ça marche. On va peut-être le monter un tout petit peu. Je vais juste vérifier qu'il soit pas trop haut. Et après, j'ai fait aussi un tout petit truc pour ma pause. Je vais vous montrer. Est-ce que là, il apparaît au milieu de l'écran ou pas? Normalement pas. Non, c'est bon. Ouais, c'est parfait. Le timing est parfait. Par contre... Ah oui, par contre, évidemment, ça bug parce que il ne se déplace plus d'autant qu'avant. Donc, il faut qu'il se déplace de... On va vérifier ça. C'est ça. Donc là, il se déplace de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et maintenant, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6. On supprime 2. Ok. Et là, ça devrait être bon. Donc le truc que j'ai rajouté pendant la pause, c'est idées. Ça va être une map où il n'y aura rien dessus. Et ça va être les idées que vous me donnez dans le chat et que je note. Il y a quelqu'un, alors je ne sais plus qui a donné l'idée. Récolte de ressources. C'est très, 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 une très, très bonne idée. Récolte de ressources, donc récolter des ressources. Et par la suite, donc du coup, faire des métiers. Par exemple, métier comme dans World of Warcraft de minage, pêche, les trucs comme ça. Donc oui, on va faire un système de métier. J'en profite aussi pour remercier Crawling qui m'a donné le moyen de vous filer le jeu après, quand le jeu sera terminé, c'est-à-dire dans très longtemps, de vous filer le jeu sans que vous ayez besoin de RPG Maker. Donc merci Crawling, merci beaucoup. Alors, est-ce qu'on peut faire... comme dans Dragon Quest, à savoir monter sur un objet qui vole pour passer au-dessus de l'eau, par exemple. On peut faire vraiment ce qu'on veut. Il y a des gens aussi dans le chat qui ont posé la question, est-ce qu'on peut faire du multi? Alors, par défaut, non. Mais, donc là, je vous ai montré toute la facette vraiment user-friendly, WYSIWYG de création de jeu. Mais après, vous pouvez aller dans éditeur de script. Et là, du coup, vous avez du code. Ce qu'on ne fera pas en live, justement, ce que je ferai hors live, probablement, si j'en fais. À savoir, c'est taper des lignes de code, voilà, et c'est du Ruby pour ceux qui connaissent un peu. Et avec ça, par exemple, on peut trouver des scripts pour faire du multi. Alors moi, je ne le ferai pas parce que je suis pas grand fan des RPG multi. Ce sera vraiment du RPG solo à la Skyrim, enfin à la Final Fantasy 3 plutôt. Donc voilà. Ok, bon, on a le déplacement, on a les gardes qui nous chopent, on a le garde qui vient nous sauver. Donc là, ce qu'on va faire un petit peu plus pour la situation, c'est au moment où il nous attrape. Au moment où il nous attrape, notre héros est demi-tour, fait demi-tour, comme s'il était menotté. J'ai pas le skin de la menotte, mais on va faire comme si. Donc c'est, hop là, définir un itinéraire. Le héros, et il fait regarde en bas. Voilà. Donc là, ça devrait être bon. On va vérifier. Je me suis pas planté. Ça marche. Donc là, je ferai après, j'aurai un design de avec les menottes dans le dos, par exemple, où je suis attaché, etc. Et donc là, il nous parle. Et ce qu'on veut, c'est que au moment où on valide, on se retourne pour écouter le roi. Donc tout simplement, tag, lâchez-le. Et quelqu'un m'a dit. Vraiment? Ça fait plus langage parlé, effectivement. Alors, de toute façon, ça c'est des dialogues, on s'en fout un peu. Et donc à ce moment-là, on veut que notre héros fasse demi-tour, héros, tourner vers le haut. Et voilà. Et là, on devrait être pas mal, je pense. Oui, la pub sécurité routière, je sais qu'elle est assez choquante. Moi, je vous avoue que quand je l'ai, je fais un F5 pour l'arrêter et en avoir une autre.
Ça marche, on se retourne au bon moment. Les gardes nous lâchent. Parfait. Donc maintenant, il nous faut la suite. À savoir. Le roi qui nous parle. On va reprendre le chat ici avec l'avatar. Voilà. Eh bien, messire. Mes excuses pour. Ah oui, un petit truc ici. Pour les messages, vous voyez qu'il y a deux flèches. La première flèche, en fait, c'est l'endroit où votre message, à partir de quel votre message sera tronqué. Donc, il n'y aura plus la fin de la phrase. Si jamais vous avez un avatar, et ici, c'est la fin du message si jamais vous n'avez pas mis d'avatar. Donc, si par exemple, je fais comme ça, ici, à partir de là, et vu qu'il y a un avatar, à partir de là, ces caractères-là se verront plus. Mes excuses pour cette erreur. Nous vous sommes redevables. Cet ogre dévorait. Non. Cet ogre terrifiait les paysans et dévorait le bétail. Bétail. Pour votre courage, je vous nomme comment est-ce qu'on peut le nommer? On va pas le nommer Jarl encore ou roi, mais on va le nommer homme d'honneur. On pourra une fois de plus changer par la suite. Je vous nomme homme d'honneur. De la ville. Vous pouvez mettre du regex dans les messages de dialogue, exemple. D'accord. Ah, je savais pas qu'on pouvait mettre des regex. C'est une bonne chose à savoir. Chevalier, Tan. Ouais, on reprend vraiment Skyrim. De manière éhontée. Tan. Je vous nomme Tan de la ville. Votre grade vous permettra de vous balader dans le château en toute liberté. Encore merci. Voilà. Et là, ce qu'on veut, c'est à la limite les gardes. Est-ce qu'on fait revenir les gardes? Je crois qu'on va faire revenir les gardes à leur poste. Et lui, on va le faire sortir du château et disparaître. Donc. Possibilité de faire des choix scénaristiques du genre, tu dois faire un choix entre sauver une personne ou garder une épée. On peut. Et c'est même une très bonne idée. Choix. C'est scénaristique. Je note. Je ferai. Par exemple, on pourra décider de tuer quelqu'un ou pas. Absolument. On peut, bah ça je vais vous montrer tout de suite. On peut faire ici, afficher un choix. Donc il y a le message, le dernier message qui a été écrit qui s'affiche. Et ici on peut dire tuer le roi. Remercier. Remercier le roi, par exemple. Ici, il y a une touche d'annulation, je crois que c'est B par exemple, sur les contrôles. Et en fait, c'est le choix qui est sélectionné. Donc, vous voyez, il y a choix 1, 2, 3, 4. Il y a le choix par défaut qui est sélectionné. Si jamais on annule, on peut faire interdire l'annulation. Donc, on presse B si ça ne passe rien. Donc, ça, c'est un choix qu'on peut faire. Et là, par exemple, si je mets tuer le roi, je peux les gardes qui me font yaaah et qui me butent, etc. On va pas le faire là. C'est des petites blagues qu'on pourra faire par la suite à la fin du jeu. Enfin, à rajouter un peu partout dans le jeu, il n'y a pas de problème. Donc, on voulait que les deux gardes retournent à leur place et que ce garde-là sorte du château. Donc, on va faire ça. Définir. Attendez, j'ai juste déplacé la fenêtre pour pouvoir compter. Définir un itinéraire pour le garde de gauche. Donc, ils sont
ici puisqu'ils ont reculé d'un pas. Donc maintenant tout ce qu'on veut c'est qu'ils descendent. Donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 pas. Vers le bas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. On n'attend pas la fin, pareil, parce qu'on veut que les deux gardes se déplacent en même temps. À la limite, on peut faire qu'il y ait un tout petit décalage entre les deux. Genre, de 15 frames, ça fait un quart de seconde. Garde de droite, comme ça, ça fait pas un truc trop... ça fait un peu plus naturel. On va juste vérifier si ça fonctionne. Non, attendez, on va juste encore faire déplacer le chevalier. On va le faire venir à la gauche du roi. Celui-ci. Donc là, on va faire... pas attendre la fin, mais on va faire une petite pause de un peu moins d'une seconde. 50 frames. Il y a 60 frames dans une seconde. Et on va faire donc déplacer le... définir un itinéraire, déplacer garde du milieu, il est là, donc 1 vers la droite, 2 vers le haut, se retourner, 1 vers la droite, 2 vers le haut, regardez, tourner vers le bas, voilà, on va vérifier si ça fonctionne bien. Non, c'est pas un décalage, c'est un décalage dans le temps, c'est pas un décalage de pixels, vous allez voir. Bon, au pire, si ça rend pas bien, tant pis. Jeter salopé au cachot. Ok, bla bla bla. Ok, ouais, bon là il y a justement le message est tronqué. Ah, voyez, il y a le décalage. Oh, ça rend pas trop mal, hein, je trouve. Qu'est-ce que vous en dites? Ça roule, Crawling, merci d'être passé. Bonne soirée. À une prochaine. Ciao, ciao. Qu'est-ce que vous en pensez? Asdod lit le chat plus souvent. Ouais, c'est difficile. C'est difficile, en fait, c'est chiant. Maintenant, il y a 20 secondes de décalage avec le live et c'est vraiment chiant. Bon, bah, je pense que c'est pas mal. On y va comme ça. On y va comme ça. Système jour-nuit, oui. Je note, ça, c'est pas difficile à faire. Système jour nuit. Faut qu'il GG quelque chose, ton gars. Ouais, ouais, pour les récompenses, on verra après. Hein. On verra après. Donc là, on est pas mal. On est pas mal. Ouais, effectivement, je vais passer mon clavier en QWERTY vite fait. Attendez, faire ça. Parce que là, ça me fait chier plus qu'autre chose. Alors, panneau de configuration. Clavier. Rajoute-moi une langue. C'est pas ici, c'est dans langue. Modifier la langue. Modifier les claviers. Anglais, on le supprime. Et on ajoute français. Français, suisse. Clavier, suisse, français. Attention, vérification. Donc, là, on est toujours en AZERTY et... Oh, alléluia! Ah ouais! QWERTY, ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Ok, donc on reste en QWERTY. Parfait. Donc, bon. La chaîne a une question pour toi. Je l'ai plus dans le chat, là. En fait, c'est vraiment le souci des 20 secondes de décalage. Il faut vraiment qu'on puisse résoudre le problème, quoi. J'ai juste renommé la map parce que sinon, je vais zapper... ça c'est château. Ah ouais, maintenant il faut que je m'habitue. Je m'habitue comme je suis plus en AZERTY. Bref. Bon, un familier, ça je suis moins fan des familiers. Ah Marie-Chan, j'ai une question pour toi. D'accord, c'est rien à foutre moi. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on peut faire? Donc on a ça. C'est très bien. On peut, alors, tu vas arrêter ton flou tout de suite, Paul. Tout de suite. Sinon, c'est kick. Non, c'est pas imposé par délit, en fait, les 20 secondes de latence. C'est un nouveau système. Bon, ok, c'est quoi? Hop là.
C'est un nouveau système d'encodage et du coup ça fait que maintenant il y a 20 secondes de décalage et c'est ultra boring, chiant, ça fait chier. Bon. Maintenant on a deux choix. Soit je vous montre comment, je vais faire un straw poll. Straw poll. Qu'est-ce qu'on fait? Soit je vous montre comment on fait un système de jour-nuit. Jour. Putain, je suis reparti en azerty. Système, jour, nuit. Soit je vous montre comment. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Idée. Le système des métiers. Ouais, soit système jour-nuit, soit système des métiers. Putain. Soit on fait système Yo Souls. Soit on fait les guildes. Création d'une première. Je vais pas y arriver. Première guilde. Voilà, je vous fais un straw poll. Vous avez le lien dans le chat. Voilà. Moi je serais pour qu'on crée les métiers. Le système de jour-nuit, vous allez voir, c'est très simple. Hein. C'est vraiment très très simple. Donc on va voir ça. Alors, les métiers sont en tête. Ah, c'est assez serré. Hein, c'est assez serré. Bon, de toute façon, on fera les trois. Pas ce soir, mais on fera les trois parce que apparemment, ça vous plaît vraiment que je fasse du RPG Maker. Donc, on fera les trois, mais pas ce soir. Là, on va juste voir qu'est-ce qu'on fait maintenant. Alors, apparemment, ça va être le métier. Ok, donc moi, je suis pour. Ok, ouais. Bon, les métiers ont pris une large avance. Donc, on va faire les métiers. Vous pouvez arrêter de voter. Donc, je vais vous montrer comment on va faire les métiers. Alors, du coup. Comment est-ce qu'on va faire ça? Je réfléchis parce que ça, j'ai jamais fait, mais c'est pas compliqué, vous allez voir. On va travailler sur Alendil. On va dire que lui, ça va être le maître des métiers du minage. On va partir sur le minage, ok? Après, les métiers de fabrication, c'est un petit peu plus compliqué. On va donc partir sur le minage et comment est-ce qu'on fait pour que vous puissiez miner. Donc, ce que l'on veut, c'est qu'il y ait... Donc, je vous explique quand même, avant de commencer le coder... C'est ce que l'on veut. Ce que l'on veut pour le minage, c'est qu'il y ait des minerais, des gisements de minerais. Donc par exemple, est-ce qu'on en a ici? Je crois qu'on en a. On n'a pas ce que je pense. On va partir sur les trucs blancs pour le moment. C'est la neige normalement, mais comme ça on les voit bien sur la map. On changera l'apparence par la suite. On va faire du coup le... Donc ce qu'on veut, c'est qu'on ait sur la map des minerais comme celui-ci. Voilà. Et qui... une mine. Et que si jamais on a le métier de mineur et que l'on a une pioche, quand on presse espace sur le gisement, on mine une certaine quantité de minerais, diamants ou n'importe quoi. Mais si on n'a pas le métier ou si on n'a pas la pioche, on ne peut pas. Donc, comment est-ce qu'on fait ça? D'abord, on va créer l'objet. L'objet pioche. Donc, on presse F9. Donc là, je vous ai montré cette fenêtre la dernière fois. Je vous fais vite un rappel, vu qu'il n'y avait pas de record. Cette fenêtre, c'est la base de données. C'est tout ce qu'il y a sur notre jeu. Donc, on a les différents héros. À chaque fois, on a des valeurs de base qui sont créées. On peut évidemment tout modifier, tout supprimer, tout recréer. Donc ça, c'est les héros de base qu'on a au début. Donc, on commence avec Eric. Après, on peut avoir des équipes avec plusieurs personnes dans notre équipe. Donc on peut avoir Nathalie, Terence, etc. On peut modifier leur apparence, leur texte, le pseudo, tout. On a la classe, donc soldat, moine, paladin, etc. Ça, c'est des choses qu'on fera avec les guildes. Et d'ailleurs, on pourrait créer le Jarl aussi. Ça, on verra par la suite. Les compétences, ce sont les trucs de combat. Ça, on va jamais servir parce qu'on fera notre propre système de combat. Mais alors ça, c'est beaucoup plus tard parce que c'est très compliqué. Donc notre propre système de combat, compétences on n'utilisera pas. Les objets, c'est là qu'on va avoir besoin. Donc on a des objets de base, potions, grandes potions, potions max, éther, queue de phénix, etc. qui existent. Et les lunettes, ça je les avais créées pour un test, je peux d'ailleurs supprimer les lunettes.
Et d'ailleurs, ce qu'on va même faire, c'est on va tout supprimer parce que tous ces objets, on va pas en créer un seul. On va en... Hop là, un seul objet. 10 objets. La potion, on supprime. Et on va commencer par créer... je vais en mettre 50 de base. Et on va dire que... je vais en mettre 90. Et que à partir de l'ID 50, ce sera les objets de métier. Donc ici, par exemple, on a une pioche. On choisit une icône. Et on va essayer de trouver une pioche dans les icônes qu'il y a. Une fois... Ah là, il y en a une magnifique. Une fois de plus, on peut modifier tout ça. On peut en rajouter autant qu'on veut. Ensuite, description. Une simple pioche. Ah, je suis en quartz. Une simple pioche. Qui vous permet de miner les gisements. Gisements simples. Voilà, donc. On va faire en sorte qu'au début, on puisse miner, par exemple, le fer. Mais l'or, on peut pas encore, par exemple. Type. Objet clé, non, type normal. Alors, objet clé, c'est les objets de quête qu'on peut avoir qu'une seule fois. Le prix, on va définir un prix de 20 PO. Consommable, non, ça veut dire qu'au moment où on l'utilise, il disparaît pas. Cible, personne, parce que ça, la cible, c'est pour les combats. De toute façon, ça, on va pas servir, mais on met personne. Disponibilité, jamais. Parce que jamais on voudra pouvoir l'utiliser, puisque c'est pas en allant dans l'inventaire et en sélectionnant la pioche qu'on va l'utiliser. C'est simplement en pressant espace, en l'ayant dans l'inventaire. Caractéristiques, précision 0, nombre de coups 1, ça on s'en fout, c'est pas des objets de combat. Type d'attaque, on s'en fout. Animation, on s'en fout. Non, on va même d'ailleurs pouvoir mettre une petite animation, comme ça je vais pouvoir vous montrer. Alors dégâts, aucun, machin, blabla. Donc on a créé la pioche, c'est très bien, je vais continuer à vous montrer tout ça. On a les armes pour les combats qu'on ne va pas servir une fois de plus parce que une fois de plus c'est on va pas utiliser le système de combat par défaut. Armure, pareil. Ennemis, pareil, il y a des premiers ennemis qui existent, donc il y a un système de combat que je vous montrerai pas, qui est un peu pourri, mais qui existe avec les mobs de base. Les groupes, c'est les groupes d'ennemis dans les combats, justement. Les statues, on peut être mort, empoisonné, aveugle, muet, confus, etc. Ça, on va modifier pour pouvoir le faire. Les animations, ce sont les animations de combat, donc on va les servir, mais pas en combat, on va les servir en dehors. Donc là, on va essayer, dans les trucs qui existent par défaut, de trouver une petite animation qui collerait pas mal, je pense, pour la pioche. Donc on va voir... Qu'est-ce que c'est que celle-ci, par exemple? Non, c'est pas ça qu'on veut. Mort. Non, c'est pas ça qu'on veut. Foudre, eau, roche. C'est pas ça qu'on veut. Lumière. Vent. Frappe 2 physique. Non, on veut pas des griffes. Tir normal. Non, c'est pas un coup de feu. Bonus. Ouais. C'est pas ce qu'on veut. On va faire celle-ci par défaut. On la modifiera par la suite. Transpercer physique. Oh, c'est pas mal ça. On va prendre plutôt celle-ci. La 13. On se souvient de la 13. Donc ça, c'est les animations de combat. Tilt 7, ça, c'est ce que je vous ai montré. Justement, c'est pour faire les différentes maps. On peut gérer ces tilt 7 pour ajouter ce qu'on veut. Là, il y en a un qui bug parce que j'ai pas fait l'importation. Les événements communs, ça on verra pour le cycle jour-nuit. Les systèmes, ça c'est justement tous les navires. Et le lexique, ça c'est, on peut modifier la langue du jeu par exemple. Au lieu d'avoir niveau, on pourra avoir tête de gland, par exemple. Donc voilà, bon, on a créé la pioche. Merde, qu'est-ce que je fais? Annuler. C'est parce que... Annule. Voilà. On a créé la pioche. Maintenant, ce que l'on veut, c'est créer le métier. Ça, on va le faire ici aussi. Est-ce qu'on peut le faire ici? Classe. Alors, je sais pas si un héros peut avoir plusieurs classes. Description. Non, il peut avoir qu'une seule classe, malheureusement. On peut mettre compétence. Hein. Non. Non, on va pas le faire. Ça, ce sera quand on fera un menu personnalisé. Pour le moment, on va pas le faire. Bon, bref. Rien à voir. On va lancer maintenant... quelque chose qui est l'objet justement minable. Alors, minable, dans le sens qui peut être miné. Donc, comment on fait ça? Ici, on va créer un événement. Et d'ailleurs, on va faire un truc, c'est qu'on va supprimer ça. Et ce sera l'événement qui aura cette apparence. Comme ça, on va le supprimer au moment où ce sera plus minable. Donc, on va le sélectionner ici en tilt set, le truc blanc. Voilà.
Il me faut un bouton. Non, alors, ok, avant de faire le truc minable. On va faire ça, on va faire ça. Donc là, on va faire le cas. Il ne peut pas être. Miné, on n'a pas encore la compétence. Du coup. On va mettre un message noir. Vous devez avoir la compétence minage pour miner ce filon. Par exemple. Ok. Donc là, quand on va presser dessus, ça va nous dire qu'on n'a pas le métier. Maintenant, on va créer le métier. Donc le vieux con ici affiche un message. Veux-tu devenir mineur? On va pas faire un truc trop compliqué, hein. Normal, avec un avatar de vieux. Lui, la moustache X. Veux-tu devenir mineur? Voilà. Il propose un choix. Choix, oui, non. C'est ce qu'on veut, et par défaut, il répond non. Ok. Si on répond non, on va dire. Ça va être modifié par la suite. Je vais juste copier le message ici pour voir l'avatar. Bah, va te faire foutre! Voilà. Par contre, si il veut qu'il y ait. On veut qu'il y ait le minage. Alors, ce qu'on va faire, c'est. Tu es maintenant un Steve. Easter egg, Minecraft, blablabla. Voilà. Tu es maintenant un Steve. Donc maintenant, on a pris la compétence minage. Cependant, c'est bien beau qu'il nous ait dit ça, mais comment est-ce que dans mon système, comment est-ce que mon jeu sait que j'ai pris la compétence minage? Tout simplement, on va utiliser un interrupteur. Un interrupteur, qu'est-ce que c'est? Pour ceux qui font de la programmation, c'est une variable booléenne. Pour ceux qui n'ont pas fait de programmation, c'est en fait un objet, c'est un bouton qui peut prendre la valeur oui ou non. Du coup, on va créer un bouton, modifier un interrupteur. Et ici, vous voyez, j'en ai déjà quelques-uns qui existaient. Ah oui, d'ailleurs, j'ai pas la synchro, fuck. Ah, tant pis. Celui-ci, on peut supprimer. Et on va faire que, par exemple, à partir de l'ID 100, ce sont les minages. Malheureusement, il manque encore le fait qu'on puisse nommer une page, mais c'est pas grave. Donc ici, on va faire un truc juste comme ça. Hop. Donc là, ce sont qui ne vont pas être utilisés. Ça va être métier. Voilà, et je reprends celui-ci. Je renomme pareil. Comme ça, je sais que ici, cette page-là, ce sera les boutons pour les métiers. Alors, minage. Voilà. Donc, je sélectionne le bouton qui est le bouton ID 84. Et d'ailleurs, c'est pas du tout ici que je voulais le mettre. C'était ici. C'était ID. Putain, je suis repassé en AZERTY. Hein. Minage. Voilà. Hop, je renomme ça. Comme ça. Comme ça. Et ici, je mets. Métier. Voilà. Et comme ça, ceux-là, je les supprime. Merde. Là. Ok. Donc là, c'est ce bouton-là. Quand il sera à enfoncer, donc quand il sera à oui, quand il sera activé, ça voudra dire qu'on a appris le minage. Donc on sélectionne et le bouton met activé. Oui, il est activé. Super. Donc on le définit qu'il est activé. Maintenant, on veut deux choses. C'est que si jamais il est activé, le vieux, au lieu de nous reproposer d'être mineur, il va nous ouvrir un magasin et on pourra acheter une pioche. Donc ce qu'on va faire, c'est, on va déjà en faire en sorte qu'il nous donne de l'argent pour qu'on puisse acheter la pioche simplement. Modifier l'argent, ajouter 50. Voilà. Mettre au-dessus du bouton, voilà. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est qu'il nous propose un magasin. Il y a un système de magasin par défaut qui existe, on va l'utiliser par la suite. Je pense qu'on le recodera aussi parce que c'est pas monstre idéal. Afficher. Alors, comment ça marche? Il faut juste que je retrouve où c'est.
Faire défiler la carte, défiler la... Pas ici. Appeler un magasin. Alors, je vais devoir créer un magasin. Le magasin ici, ça c'est la liste de tous les objets qui sont vendus par le magasin. Non, je vais pas faire en sorte qu'il me donne la pioche, comme ça je peux vous montrer. Donc, dans les objets, il y a la pioche. Donc ici, je vais sélectionner ma pioche que j'ai créée tout à l'heure. Ok. Il nous vend que ça. Le prix, il est de 20. Est-ce qu'on peut le modifier le prix? Oui, prix spécifié, on peut spécifier le prix. La pioche. Achat uniquement, oui. Ça veut dire qu'on peut pas revendre des trucs. Donc la pioche, achat de 20, c'est tout ce qu'on veut qu'il ait à nous vendre. Voilà. Et là, j'ai créé une deuxième page. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. J'ai créé une deuxième page. Ce que l'on veut, cette deuxième page, vous voyez, elle a la même apparence. Ce que l'on veut, c'est que si jamais on a déjà appris la compétence, minage, au lieu de nous afficher le message, il va nous afficher ici le shop. Donc ce qu'on fait, c'est interrupteur. On sélectionne notre interrupteur minage. Et quand la condition, l'interrupteur minage est activé, ça va venir ici, au lieu d'ici. Et donc du coup, ça fonctionne. Ok, donc ça c'est fait. Maintenant, c'est bien beau, je vais pouvoir vous montrer vite fait ça. Nouvel événement, non pas ça. Nouvel événement équipe, je vais pouvoir vous montrer ça. Alors, blablabla, bonjour. Veux-tu devenir mineur? Non, bah va te faire foutre. Veux-tu devenir mineur? Oui, tu es maintenant un Steve. Voilà, si je presse escape, on voit ici que j'ai reçu mes 50 gold. Et maintenant, si je parle au Vioc, voilà, alors, on pourrait mettre un message ici. Mais ça, c'est un shop de base. Donc, je fais acheter une pioche. Ah oui, voilà, une simple pioche qui vous permet de miner les J. On voit pas la suite. En possession 0, on voit qu'on en a pas. Et je fais hop, acheter, je peux choisir la quantité. Donc, j'en sélectionne une. Et voilà, en possession 1. Et j'ai acheté une pioche. Et maintenant, si je vais dans le menu de base, objet, pioche. Une simple pioche. Voilà. Là, par contre, vous devez avoir la compétence minage pour miner ce filon. Bon, là, je marche dessus aussi, hein, si j'ai pas géré ça. Ça ne marche pas, mais pourquoi ça ne marche pas? Simplement parce qu'on ne l'a pas codé ici, on ne l'a pas fait. Alors, ce qu'on va faire déjà, c'est que on va aller mettre la position au même niveau que le héros. Ça, c'est ce que j'ai expliqué la dernière fois. Priorité d'affichage, il y a trois choses. Au-dessus du héros, au-dessous du héros, ça veut dire qu'on a le truc. Le héros arrive, on marche par-dessus, on n'est pas bloqué. Même niveau que le héros, il y a le truc, le héros arrive, il tape dedans, il peut pas aller plus loin, il peut pas passer dessus. Au-dessus du héros, c'est si jamais, par exemple, c'est une cachette. Il y a le truc, le héros arrive, il va être caché dessous, tout simplement. Voilà, bon, on veut le mettre donc au même niveau que le héros. Et donc, si on n'a pas la compétence minage, c'est ici que ça va arriver par défaut, vous devez avoir la compétence minage pour miner ce filon. On pourrait faire deux choses, on pourrait le faire autrement. On pourrait le faire autrement, mais on va peut-être pas rentrer trop dans les détails des conditions. On va faire une deuxième chose. Une deuxième page, pareil, copier-coller la page. Et maintenant, ce qu'on veut, c'est interrupteur minage est activé. Donc, pareil que l'autre. Si jamais on a appris minage, c'est ici que l'on veut venir. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais on a appris minage? Il faut d'abord vérifier. Non, il y a... On va faire ça avec des pages et pas avec des conditions. On a trois statuts. On en aura quatre, mais on va déjà partir sur trois statuts pour notre gisement. Le premier statut, c'est on n'a pas la compétence minage. Donc, on peut pas le miner. Le deuxième statut, c'est on a la compétence minage, mais on n'a pas la pioche. Et le troisième statut, on a la compétence minage et on a la pioche, donc on peut le miner. Trois statuts pour notre rocher, ça veut dire qu'il y aura trois pages. Donc je vais coller la troisième fois la page. Et donc les statuts, c'est on n'a pas la compétence minage. On doit avoir la compétence minage. On a la compétence minage, mais on n'a pas l'objet. Affiche un message en noir. Vous devez avoir une pioche pour miner un gisement. Voilà, vous devez avoir une pioche pour miner un gisement. Et la troisième page, le troisième statut, c'est il a la compétence minage et il a un objet pioche qui est possédé. Et là, du coup. Là, du coup, maintenant, on peut. C'est bon. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe au moment où on mine? Eh bien, simplement, on va afficher un message en noir. Vous minez.
On va mettre un fer. Vous minez un fer. Et là, du coup, on mine un fer et il faut maintenant qu'on le mette dans notre inventaire. Donc, on va retourner dans la base de données. Dans les objets, on va créer. On va mettre à partir de l'ID 70, on va dire. D'ailleurs, ici, je vais faire en sorte. Ici, c'est pareil qu'avant. Hop, hop. Métier. Donc pioche et ici 70. Hop, hop. Minéraux. Minerai. Mine. Merde. F9. Minerai. Donc on a le fer brut. Fer brut. Voilà, qui a une apparence de petit caillou. On va dire ça. Voilà, c'est du sel, mais c'est pas grave. Fer brut, type normal, prix. On peut le revendre à 13. Consommable, non. Cible, personne. Disponibilité, jamais. Donc on a du fer brut. Et là, du coup, qu'est-ce qu'on veut? C'est qu'au moment où on mine, on fait modifier les objets. Objet. Fer brut, ajouter constante 1. On ajoute une valeur. On ajoute un objet de fer brut dans notre inventaire. Testons ça, voyons voir. Peux-tu mettre un nombre aléatoire de minerais reçus après le minage aussi? Je peux. Je suis pas certain de savoir comment faire. On va checker ça après. Donc, on va checker maintenant notre gisement. Vous devez avoir la compétence minage pour miner ce filon. Ok. On va aller prendre la compétence minage. Oui. Je suis maintenant un mineur. Vous devez avoir une pioche pour miner ce gisement. Achetez une pioche. Voilà, on a acheté une pioche. Vous minez un fer. Et maintenant, je check dans mon inventaire. Objet. Un fer brut. Cependant, petite chose. Je peux miner le fer à l'infini. Ce n'est pas ce qu'on veut. Ce que l'on veut, c'est qu'une fois qu'on a miné un fer, il y a un cooldown pour pouvoir le reminer. Donc ce qu'on va faire, c'est une petite pause et juste après je vous montrerai, je suis pas encore certain de savoir comment faire, je vous montrerai comment faire un cooldown sur ce gisement de minerai. Donc du coup, dans 5 petites minutes, ah oui, deuxième concours sur Twitter, je vais tweeter pendant la pause, je vous mettrai le lien dans le chat, je ferai tous les tirages au sort à la fin à minuit. Donc voilà, donc du coup, dans 5 petites minutes, à tout de suite. Terminer le système de quête, de métier, pardon, de métier. Donc, qu'est-ce qui nous manquait? C'était que ce gisement-là ne soit pas reminable, ne puisse plus être miné pendant X temps. Alors, dans ce cas-là, j'ai un petit problème dans le sens où... j'ai peur de devoir utiliser une variable par gisement, mais le problème c'est qu'on est limité à 5000 variables dans le jeu. Ce qui fait que c'est quand même peu. C'est peu 5000. Pour un énorme jeu, il faut compter 50 000 variables. Donc, comment est-ce que je peux faire ça? À la limite, on a deux choix. Soit j'utilise une variable par objet minable, soit... je fais en sorte que les gisements soient minables qu'une seule fois, ce que j'aime pas trop. Je vais aller voir si on a là-dedans une petite possibilité. Afficher une animation, transformer un ennemi, afficher un ennemi caché, guérir un ennemi. Non, ça c'est pour les combats. Récupérer des informations. Non. Type d'information, numéro de terrain, ID de l'achievement, ID du tile, ID de la zone, prédéfini par variable. Non, c'est pas ça. Changer de panorama, changer de fond de combat, changer de tilt set, afficher le nom de la carte. Je sais pas ce que c'est ça, apparence des fenêtres. Combat aléatoire, accès au menu. Non, c'est pour ouvrir un menu. Accès aux sauvegardes, modifier la ME. C'est musique et son. Un interrupteur. Ouais, mais le problème de l'interrupteur, c'est que c'est définitif. C'est définitif.
Je sais pas trop comment on va faire ça. Voir un truc. Le héros possède compétence, est équipé de l'arme, machin. Est-ce que le fait statut ennemi, l'événement, héros, regarde vers le bas. Non, véhicule est utilisé. L'argent est de l'objet, l'arme, l'armure, touche, script. Ouais, on va devoir utiliser une variable, je pense. Par. Oui, processus parallèle, oui, mais le problème c'est que processus parallèle, c'est pour la zone. Si on change de map, ça reset. C'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on va faire, c'est un simple timer. C'est un timer. Et du coup, ça nous fait utiliser une variable par. Attendez, je réfléchis. Pire, tu peux éliminer qu'une fois par jour avec le système. Ouais, mais ça me fait créer qu'une, ça me fait quand même créer une variable par par truc. Non, alors je peux pas mettre attendre et le temps en processus parallèle. Pourquoi? Attendez. Alors bon, déjà ce qu'on va faire, c'est que ici on va activer un interrupteur local. Qu'est-ce que c'est un interrupteur local? C'est la même chose que les interrupteurs que je vous ai montré, mais c'est spécifique à cet événement. Le problème de l'interrupteur local. Je crois, si je dis pas de conneries, on va vérifier ça tout de suite. Modifier un interrupteur local, on va le mettre à A. On va créer une nouvelle page avec une apparence vide. Voilà, une apparence vide. Et c'est l'interrupteur local A est activé. Juste vérifier un truc, c'est est-ce que c'est reset quand on change de map. Du coup, ce qu'on va faire, c'est bon, j'ai un TP sur cette map, donc on va vérifier ça tout de suite. Alors, faut jamais utiliser de boucle là. C'est un processus de base. C'est un concept de base en dev, jamais on utilise une boucle pour faire un timer. Ça bouffe des ressources, c'est un truc de malade. Voilà, j'ai miné un fer, et il a disparu, je peux plus rien faire. Maintenant, je vais vérifier quelque chose. Ouais, merci Wed pour le soutien, allez, merci Wed. Ok, donc là c'est bon. J'ai changé de map, je veux voir si l'interrupteur local, il enregistre. Bon, ça c'est une très 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 bonne nouvelle. Il enregistre. Donc, maintenant, voyons voir. Ok. Alors je sais, bon, je vais vous montrer comment faire avec une variable par truc. Je réfléchirai après à comment. Ah, attendez, non, je peux peut-être faire un truc. Non, ça va pas marcher. Ouais, on va faire comme ça. Je vais vous faire un truc, c'est que je vais vous montrer comment faire pour. Pour le faire avec une variable à la fois. Ce qu'on va avoir besoin, c'est un compteur de pas et que tous les X pas, il réapparaît. Donc, pour avoir un compteur de pas, ça veut dire qu'on doit avoir un événement qui fait le comptage. Cependant, Dislix, il faut être premium pour. Enfin, il faut être sub pour mettre les avatars. Les smileys. Que je disais, oui. Pour faire un compteur de pas, il faut un événement spécifique pour. Ouais, effectivement, ce. Oh putain, je vais pas y arriver. Cet avatar fuck yeah est dégueulasse quand on vous mettez en mode posé. Effectivement, faut que je le refasse. Bref, pour faire un compteur de pas, il faut un événement qui le fait. Donc, un événement, c'est le PNJ, le papillon ou ça. Ça, c'est des événements. Cependant, un événement est lié. Un événement est activé uniquement sur la map sur laquelle on se trouve. Donc, par exemple, si je suis. Sur une autre map, le compteur de pas ne compte plus. Donc on a deux choix. Soit on fait que il y a un événement qui compte les pas, qui soit sur chaque partout sur les sur toutes les maps. Soit on fait ce qui s'appelle un événement commun. Un événement commun, c'est un événement qui est utilisé, qui est actif qu'on soit où qu'on soit. Donc on veut un événement commun, c'est exactement ce qu'on veut. Donc on va en créer un peu plus. On va faire. Ça, il est assez important, donc on va le mettre en numéro 1. Compteur de pas.
Un compteur de pas, à chaque fois qu'on bouge d'une case, on veut que ça compte un pas. Donc, on peut le déclencher, il y a trois processus. Soit aucun, ça veut dire qu'on l'appelle, enfin il y a trois moyens. Aucun, ça veut dire que c'est un autre événement qui va l'appeler. Automatique, ça va le faire en permanence. Cependant, il faut faire très attention. Mettre un truc en automatique, je vais vous montrer ça tout de suite. Interrupteur conditionnel, on va mettre minage. Est-ce qu'on peut mettre aucun? Attendez, je vais vérifier si on peut mettre aucun. Non, on peut pas. Hop. Donc là, ça va déclencher le truc automatique dès qu'on aura pris le métier. Regardez le problème. Je suis mineur. Je peux plus bouger. Je me souviens, j'ai cherché pendant 3 semaines quand j'étais plus petit pourquoi je ne pouvais plus bouger à un certain moment. C'est parce que j'avais un truc comme ça en automatique. Ce qu'il faut faire, c'est un processus parallèle. Qu'est-ce que c'est un processus parallèle? Ça veut dire que c'est un machin qui tourne tout seul en boucle, mais en parallèle de tout ce qui se passe à côté. Donc c'est tout le temps. Donc ce qu'on veut, c'est un processus parallèle avec l'interrupteur. Est-ce qu'on peut en mettre aucun? Je peux pas en mettre aucun. C'est forcément. Donc ok, on va faire un bouton 01, c'est toujours on. Donc le bouton toujours on, c'est au moment où on pop. On va le mettre ici en haut. Processus parallèle. Voilà. Et on le met modifier l'interrupteur toujours on, on le met à activer. Comme ça, ça l'active au moment où on arrive sur cette map. Donc c'est très bien. Et si jamais le truc automatique, il a une raison d'être. Hein. Vous pensez pas que c'est juste de la merde. Il a une raison d'être, mais c'est très spécifique. Bon, bref. Quand ce bouton est à on, ici, ça va tourner en boucle. D'ailleurs, est-ce que ça fait une boucle? Je suis pas sûr. On va tester ça tout de suite. Donc là, ça va afficher test. Est-ce qu'il le fait qu'une seule fois? Ouais, d'accord. Il tourne en boucle. C'est bien ça. Donc là, il va tourner en boucle. Il va faire ça en boucle. Donc là, ce qu'on veut, c'est une condition. C'est si le processus parallèle fait ramer. Non, il fait pas ramer. Enfin, si vous en avez 3000, oui. Mais un, non. Ce que l'on veut, c'est une condition. Le héros. Non. Non. La touche bas est pressée. Hop. La touche bas est pressée. Et ce qu'on veut faire, c'est pour les 4. Je suis même pas sûr que ça fonctionne. Touche bas, touche haut. Touche gauche. Touche droite. Voilà. Et là, on va définir aussi une variable. Alors, les variables, c'est comme les interrupteurs. Donc, un interrupteur, je vous rappelle, peut prendre la valeur oui ou non, activé ou désactivé. Et une variable, c'est la même chose, seulement ça prend un nombre, ça prend un chiffre. Donc, on va modifier la variable. Non, c'est même pas vrai, c'est pas ça. Par défaut, je crois qu'elle a forcément la valeur 0, donc il n'y a pas besoin. On retourne dans le processus parallèle. Ce que l'on veut, c'est que si la touche bas est pressée, on va modifier une variable. On va définir la variable numéro 1, NB pas. Nombre de pas. Et on va faire ajouter, donc plus 1. Et ça, on le fait pour les 4 flèches. 2, 3, 4. Et là, on va tester, voir si ça marche. Donc, par exemple, ce qu'on va faire, c'est une condition ici. C'est une condition, la variable nombre de pas est égal à 10. Affiche un message, 10. Voilà, donc ça, c'est juste pour les tests. Et là, on veut pas de condition else. Voilà. On va tester ça. Si je presse, en fait, ce que je veux savoir, c'est si je laisse presser le bouton, si à chaque pas, ça me compte de 1. Donc on va voir ça tout de suite. Ok, très bien, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, et oui, bon là ça affiche en boucle, ça tourne en boucle, c'est normal. Ça ne marche pas, donc c'est pas comme ça qu'il va falloir le faire. Condition. L'ennemi, l'événement regarde, non. Le héros est dans l'équipe, a pour nom et pour classe, possède la compétence, est équipé d'une arme, d'une armure, sous l'effet du statut, non. La variable, interrupteur local, le chrono. Ah, on peut faire un chrono, attendez. Ah non, il n'y a qu'un seul chrono. Non, le chrono c'est pas une bonne idée. Ok, ça c'est pas la solution.
Je lis le chat, hein, excusez-moi. C'est pas la solution. Voyons voir comment est-ce qu'on peut faire ça. Afficher un message, afficher un choix, afficher un nombre, afficher un objet, afficher un texte défilant, modifier un interrupteur, interrupteur local, modifier un chronomètre. Et en fait, c'est ça qui est bizarre. Le chronomètre, il n'y en a qu'un, je crois. Je vais vérifier ça. On va supprimer. C'est pas ce qu'il nous faut, l'événement commun. On va faire un test. Ici, donc ici, hop. On mine, on définit, modifie le chronomètre. Démarrer. 0 minutes, 0 secondes. Ok, et on passe ici. Et ici, on a une condition. Ici, c'est en processus parallèle. On a une condition. Le chronomètre est à 15 secondes ou plus. Ok. On veut pas d'autre case. Donc on fait interrupteur A. Hop, modifie l'interrupteur local A est désactivé. Voilà, je vais tester. Donc là, ça devrait fonctionner. En théorie, ça devrait fonctionner. Yo, yo, Pyramax. Alors, donc je prends le métier. Oui, voilà, j'ai acheté ma pioche. Et... Ah, donc là, j'ai... Ah, oui, d'accord, le chronomètre est affiché, en fait. C'est pas du tout ce qu'on veut. Mais pas du tout. Voilà. Bon, c'est comme ça qu'on fait, hein, quand on sait pas, on fait de manière empirique. Et au moment où on trouve, bah voilà. Placer une étiquette, aller à l'étiquette, c'est pas ça. Ça va pas être comme ça, ça va pas être comme ça. Je sais absolument pas comment on va faire ça. C'est faisable, hein, mais je sais pas du tout comment. Hors code, je sais pas comment faire. Pense des fenêtres, termine combat, bla 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 bla. Ça va pas être la solution. Je vais tester un truc. Je vais tester un truc et alors ça, c'est pas du tout une bonne idée. Hop, on vire ça. Ici, on le met en processus parallèle. Interrupteur local activé. Ok. On va faire une boucle. Donc une boucle, ça tourne en rond. Ça tourne tout le temps en rond. Et d'ailleurs, est-ce qu'on a besoin d'une boucle? Je suis pas sûr. On va faire un test tout de suite. Afficher le message test. Un processus parallèle tourne en boucle. Oui, au pire, je pourrais coder ça en off, mais j'aimerais bien pouvoir vous montrer comment faire. Merde, j'ai pas acheté la pioche. Ok, processus parallèle, ça tourne en boucle. Donc on va même pas avoir besoin de la boucle. Donc ici, ce qu'on veut, c'est 1. Attendre. Une seconde. Et même, ça va peut-être marcher, je suis même pas sûr. Attendre une seconde. Mais ah oui, mais oui, ça peut marcher, mais le problème, c'est que ça va nous créer une variable à chaque fois. Ah, c'est pas grave, on va le faire. Donc on a une variable. On va dire que le temps de repop, c'est 60 secondes. Donc on va aller dans modifier variable. Et au moment où le mine... on va définir les variables 1100. Voilà. Variable 1000 A plus. 1001. Voilà. Donc ça, c'est gisement. Gisement 1. Cette variable, on l'a définie à 60. Non, à 15. On a dit 15 secondes. 15 secondes, on l'a définie à 15. Maintenant, ici, on attend 60 frames, donc 1 seconde. Et on va diminuer la valeur de la variable. Donc, la variable gisement 1. On va soustraire de 1. On va supprimer 1 à cette variable. Et on va faire une condition. Si la variable gisement 1 est égale ou inférieure à 0, alors, ici, modifie interrupteur local. À désactiver, appliquer, et on va voir si ça fonctionne. J'en suis pas certain. Ce que j'ai peur en fait, c'est que ça freeze notre héros le attendre. Et j'en suis pas sûr. Ok, donc là on n'y est pas. On prend métier, on achète la pioche, voilà, et on va voir ça tout de suite. Ça ne freeze pas notre héros, donc ça marche. Attention, regardez, repop du truc. Attention et. Boom!
Allez! Yeah, ça marche! Maintenant, ce que j'ai peur, c'est si je fais ça. Non, non, c'est même pas, ça va marcher, ça. Si je fais ça, là, le compteur, il va reprendre où il en était. Hop. Hop. Et voilà, il est en pop. Donc, ça marche. Ça marche. Mais... ça nous bouffe une variable par gisement. Mais bon, c'est pas non plus un grand drame. Et ça m'a pas donné le fer. J'ai dû supprimer la ligne pour me donner le fer. Ah, j'ai supprimé la ligne pour me donner le fer. Modifier objet. Fer brut. Ajouter 1. Voilà. Oui, tout ça pour ça. Oui. Et maintenant, je sais le faire. Donc le prochain, ça va être tout simple. Bref, il est 23h52. Vous êtes encore plutôt nombreux, 340 pour du RPG Maker, je suis assez content. Donc, je vous propose de prolonger le live jusqu'à minuit 30 à peu près. On verra minuit 30, minuit 45. Je vais du coup l'ajouter sur le planning. Tac. Donc c'est pour le 4. Hein, le 4. De minuit à... je vais mettre minuit 45, mais je m'arrêterai peut-être avant. On va mettre RPG Maker. Autre. Ok. Voilà. Du coup, je prolonge un petit peu le live parce que j'ai bien envie de continuer. Bref. On a créé donc le métier mineur. Voilà. Donc c'est la sauce. Donc c'est la grosse sauce. Voilà. Donc je vous ai montré comment créer un métier. Bon, maintenant. Voir un truc, j'ai plus le lien du Stropole. C'est pas grave. Donc ça c'est un métier de base, un métier de farm. C'est assez simple. Faire une fleur, ça va être pareil que ce qu'on a fait ici, mais avec un PNJ qui nous donne le métier fleur, etc. Voilà pour la culture. Après il y a les métiers qui sont un peu plus compliqués, genre métier de forge, par exemple, avec le fer. Et donc pour ça je vais faire un Stropole. Paul, on va le faire ensemble. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue dans la lancée? Et on fait... ah, métier de forge, donc un métier plus compliqué. Est-ce qu'on fait cycle jour-nuit? Jour-nuit. Est-ce qu'on fait première guilde? Je vous crée le Stropole, je vous le mets dans le chat. Voilà, vous avez le lien dans le chat. Go voter, moi je l'ai fermé comme un retard. Voyons voir un peu les résultats. Moi je suis assez pour vous montrer la forge, hein, mais c'est égal. Ça m'est complètement égal. Voyons voir. Explosion des votes. Cycle jour-nuit passe devant. Première guilde qui est devant. Qui est deuxième? Cycle jour-nuit prend la tête. Première guilde reprend la tête à égalité avec le cycle jour-nuit. Jour-nuit prend devant. Et tout est égalité. C'est extrêmement serré. Tout se tient dans un mouchoir de poche. 3 votes de différence. 2 votes de différence entre les chacs. Ils sont tous à égalité. Métier de forge est devant. Non, c'est à égalité avec la première guilde. Attention, métier de forge passe loin devant. Cycle jour-nuit, première. Métier de forge repasse devant. Cycle jour-nuit, deuxième cycle. Non, putain, ça arrête pas de changer. J'y arrive pas, c'est trop rapide. Alors, première guilde est devant, mais à un vote près. Cycle jour-nuit repasse devant. A savoir, bon, maintenant vous avez voté, c'est un peu tard. Mais le cycle jour-nuit, c'est pas du code, mais c'est du bidouille d'événements. Mais vous allez voir, c'est très simple. Première guilde, c'est plus de l'histoire. Et métier de forge, c'est de nouveau plus de la bidouille. Votez en fonction. Bon, je crois qu'on va partir sur le cycle jour-nuit. Il a pris un petit peu d'avance. On y va comme ça. Bon, ça va aller très vite. Ça va même pas me prendre, je pense, jusqu'à 23h, jusqu'à minuit 30. Donc, on est parti pour un cycle jour-nuit. Vous allez voir, c'est vraiment pas compliqué. Je reprends le chat. Et on est parti. Donc, comment est-ce qu'on fait un cycle jour-nuit? On va partir sur le même principe que ceci, mais avec justement les événements communs. Voilà. Donc ici,
Dans événement commun, on va faire le cycle jour-nuit, qui est un processus parallèle parce qu'il va tourner en boucle. Et la seule condition, c'est cycle jour-nuit on. Le cycle jour-nuit est à on. Comment on fait pour faire un cycle jour-nuit ? À savoir que ce qu'on va faire, c'est qu'on va atténuer, on va faire que ce soit plus sombre quand c'est la nuit et plus jour quand c'est le jour. Donc je vais déjà vous montrer, ici, dans mon processus parallèle que j'ai là, qu'on va pouvoir supprimer de toute façon. Voilà, voilà. On peut faire quelque chose, si je retrouve où c'est. Alors c'est pas dans le RO. Ah, j'espère qu'on peut... Ah non, attendez. Attendez, je vais voir si je retrouve... On l'a, modifier le ton de l'écran. Et par exemple, on peut mettre, pour le soir, un peu plus de bleu. Voyons voir ce que ça donne. Voilà, donc là, c'est début de soirée. Après, on peut faire la nuit, on peut mettre encore plus de bleu. Sombre. C'est ça que je veux. Normal, on reste... Non, c'est sombre, effectivement, sombre. On met plus de bleu. Voilà, donc là c'est encore plus sombre. Et après on peut avoir un système de... Si on a une torche, on peut avoir un cercle autour de nous, par exemple. Donc ça c'est assez marrant à faire. Va falloir qu'on bidouille un peu pour les couleurs, mais c'est pas un problème. On peut supprimer cet événement. Donc c'est parti. Comment on fait ? On va faire la même chose que ce qu'on a fait tout à l'heure avec la boucle. C'est-à-dire, on va faire une variable, on va avoir une variable qui sera fixée à 0. Et cette variable, on va l'incrémenter toutes les secondes. Donc on fait une pause de 60 secondes, qui sera tout en bas. Ce que l'on veut faire, c'est que toutes les 60 secondes, il y ait une incrémentation de 1 sur notre variable. Donc modifier une variable. On va mettre en 1 parce que c'est une variable très importante. Ici, cycle, jour, nuit. Et on veut ajouter 1 à chaque fois. Maintenant, ça va être à nous de définir ces variables, ces valeurs. Donc, en fait, on va même pas faire une incrémentation toutes les 60 secondes. On va dire que toutes les X temps, il y a une modification du temps. Donc, par exemple, on va faire que ce soit déjà toutes les 15 secondes pour la démo. Donc, on commence, il fait jour. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une condition ici. La variable cycle jour-nuit est égale à 1. Alors, si c'est égal à 1, c'est le jour. Donc, teinte de l'écran, modifier le ton de l'écran, ton normal, durée, ah oui d'accord, il y a un fondu automatique. Attendre la fin, non. Voilà. Teinte de l'écran, la teinte est normale. Ensuite, deuxième condition, elle est à 2. À 2. Troisième condition, elle est à 3. Quatrième condition, elle est à 4. Donc on a jour, soir, nuit et matin. Donc jour, c'est ça. Soir, c'est ça. Donc pour le soir, il nous faut une teinte légèrement bleutée. On va dire comme ça. Pour la nuit, il nous faut sombre, plus foncé. Genre comme ça. Et pour le matin, on va faire un ton un peu rougeâtre. Voilà, pour le lever de soleil. Voilà. On attend 15 secondes, donc là ça va tourner en boucle. Donc comment ça va marcher ? On va arriver ici, ça va commencer ici, ça va passer à 1. Ça va passer la variable à 1. Ça incrémente, ça met le jour. Si c'est déjà le jour, on voit pas la différence. Ça fait le tour, ça attend 15 secondes. Après ça revient ici, ça fait plus 1. Ça va passer à 2. Donc c'est le soir. Ça va nous faire tomber le soir. On attend 15 secondes. Ça fait plus 1, ça fait tomber la nuit, on passe la nuit, on attend 15 secondes. On fait plus 1, on arrive le soir, le matin, on affiche le matin, on attend 15 secondes. Ça fait plus 1, on arrive à 5. La variable, elle chope une valeur 5. Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là ? Eh bien simplement, on fait un modulo. Même pas en fait. Pas besoin de faire un modulo. Trop compliqué et inutile. Simplement ici, la variable,
définir la variable vaut 0. Et voilà. La variable vaut 0, donc on met la nuit, on met le matin, pardon, on met la valeur à 0, on attend 15 secondes, on arrive ici, on fait plus 1, ça passe à 1, on met le jour, et voilà, et ça tourne tout seul. Cycle jour-nuit terminé. Et maintenant, il faut juste que je fasse un truc, c'est que quand je presse sur le papillon, je mets le papillon parce que comme ça c'est fait, que je définisse, que je starte le cycle jour-nuit, activé, ok. Et voilà, et là normalement, si je me suis pas planté, viens ici papillon, est-ce que j'ai eu le temps de presser, on attend 15 secondes, voilà. Ah, on a un petit problème il me semble, ça clignote un petit peu, pourquoi est-ce que ça clignote? Tac. Il n'y a pas le attendre 15 frames qui... Ah oui, non, mais je suis con, j'ai mis 15 frames. C'est 60 frames pour 15 secondes. Non. 15 x 60, c'est 900. Et on va mettre 600, ça va être 10 secondes, ça va être plus rapide. Je lis le chat, mais c'est un peu difficile, surtout quand je vous fais des explications. Ok, alors, donc là, j'ai dû presser, ça doit être bon. Voyons voir. Jour. On attend 10 secondes. Soir. Ah, il y a des boutons exprès pour le... Non, je crois pas. Hein. Je vais regarder ça. Nuit. Matin. Oula, un peu trop. Hein. Et là, ça va recommencer. Ça va nous remettre à jour. Et voilà. Et donc là, ça va tourner en boucle. Donc, on va aller voir ça. Ah oui, soir, nuit, effectivement. Merde, non, c'est pas ça. Soir. Nuit. Et du coup, on n'a pas matin. On va être normal avec un tout petit peu de rouge. Rouge et vert. On va voir. Je vais diminuer le temps, attendez. Je vais pas laisser à 10 secondes, c'est un peu trop. On va mettre à 5 secondes. Hop, je l'active. J'espère que je l'ai activé. Il se balade trop vite ce con. Là, j'ai dû l'activer. Non, toujours pas. Ah oui, voilà. Donc soir. Ouais, j'aime pas, hein. C'est pas assez bleuté, moi, je trouve. Nuit. Pas assez sombre. Et matin, trop vert. Ah, je pense que vous avez du coup compris le système. On va pas chipoter pour ça. Tout de suite, on peut diminuer à la limite un petit peu ça. Ce qu'on va faire, c'est on va mettre nuit. Avec un peu plus de rouge. Et un peu moins de bleu. On va voir comme ça. Pour soir, on voulait un tout petit peu plus sombre. Non, ça c'était nuit et pour soir un tout petit peu moins rouge. En fait, je le veux pas rouge moi mon soir, je le veux bleu. Comme ça. On va essayer comme ça. Après, on laissera ça comme ça parce qu'on n'a pas. Certes, on a fait le cycle jour-nuit, mais il va y avoir encore un problème, vous allez voir. Alors, je l'active, viens ici, papillon de lumière. Là, c'est bon, je l'ai activé. Alors, donc jour. Soir, là c'est pas mal je trouve. Nuit, c'est bien mieux déjà je trouve. Et matin. Non, c'est pas mal. C'est pas mal. Cependant, on a un souci. Après, c'est peut-être ce qu'on veut. Mais est-ce qu'on veut qu'il fasse nuit, jour, matin, quand on est chez les marchands? Est-ce qu'on veut que ce soit nuit comme ça chez les marchands? Si c'est le cas, eh bien on laisse comme ça. Enfin, en augmentant le temps, évidemment. Si c'est pas le cas, il faut faire un truc, c'est une variable, un bouton, ici, à l'intérieur. On va prendre, ici, c'est le marchand. C'est lui. Il faut faire ici un processus parallèle où on définit un modifié interrupteur cycle jour-nuit à off, désactivé. Et là, du coup, c'est bon. Non, mais le matin, tout ça, je modifierai après, hein, vous en faites pas.
Donc voilà, donc en fait, il faut simplement, dans chaque salle où on veut pas qu'il y ait le cycle jour-nuit, qu'on le désactive. Et qu'on pense après à le réactiver, évidemment, quand on sort. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va passer sur un truc un peu plus long. On va mettre genre 10 minutes. Donc, 60 x 60 x 10. Ça fait 36 000. Voilà, 36 000. Merde, c'est 999 le max. C'est pas grave. Bah, comment est-ce qu'on fait? Simplement, on fait plus de valeur. Je ferai plus de valeur. 999 divisé par 60, ça fait 16 secondes. 16 secondes. Bah oui, 16 secondes. Non. Si, 16 secondes. 17 secondes. Secondes, 600. Ouais, 16 secondes. Bon, c'est pas grave, faut juste simplement faire des cycles supérieurs. Donc, par exemple, si on va mettre une minute, un timer d'une minute, donc 600. Et toutes les minutes, ça met plus 1. Et là, ce qu'on veut, c'est simplement que quand c'est à 10, c'est le matin, quand c'est à 20, non, jour, soir, nuit, matin, voilà, tout simplement. Et là, c'est bon. Là, ça marche. Ok, donc on est bon. On est bon pour le cycle jour-nuit. J'ai vu quelqu'un qui a dit des monstres différents le jour et la nuit. Je vais noter ça tout de suite. Système jour-nuit. Commentaire. Ah! Monstres différents selon l'heure. Je note. Et c'est nickel. Du coup, ce que je vous propose, c'est qu'on fasse une petite pause là maintenant. Faut que je passe aux toilettes. Je ferai le tirage au sort juste après la pause. Et il n'y a aucun problème. Du coup, on se retrouve juste après. Je vous laisse la musique. Ah, dans 5 minutes, tu